Le syndicat départemental d'alimentation en eau potable des Côtes d'Armor regroupe depuis 1983 le conseil départemental des Côtes d'Armor et les collectivités en charge de la production et de la distribution de l'eau. Le syndicat a trois objectifs: sécuriser, anticiper, accompagner. Sécuriser l'alimentation en eau de tous les usagers, qu'ils soient domestiques, industriels ou agricoles, en développant et en entretenant depuis 40 ans une infrastructure de transport de l'eau potable et de stockage de l'eau, via notamment les barrages de l'Arguenon, du Gouette et du Kernuel. Ces trois ouvrages assurant environ 56% de l'approvisionnement en eau potable dans les Côtes d'Armor. Anticiper les nouveaux besoins en eau dans le contexte du changement climatique qui fragilise l'équilibre du cycle de l'eau par l'augmentation de la consommation et du risque de sécheresse. Le syndicat doit pouvoir répondre à ces situations de crise toujours plus prononcées grâce à son infrastructure, la sobriété des usages de l'eau, la protection de la ressource et dans le même temps participer à l'amélioration permanente du service public afin de distribuer une eau potable en quantité suffisante et d'une qualité exemplaire à tous les Costa-Armoricains. Accompagner les collectivités adhérentes en subventionnant leur investissement, en mutualisant une expertise technique et administrative départementale spécialisée dans la gestion des services publics de distribution d'eau potable, la production d'eau, la protection et la gestion de la ressource. Grâce à ces trois barrages, aux 289 km de canalisation et aux 16 stations de pompage, le syndicat est en mesure chaque année de fournir 26 millions de mètres cubes d'eau aux usines de production, de transporter du nord au sud et d'est en ouest du département plus de 6 millions de mètres cubes d'eau potable aux collectivités en charge de la distribution de l'eau à la population. Le SDAEP, un outil essentiel du département pour une gestion de l'eau solidaire, durable et innovante.